Salut tout le monde, ici Valonix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment avoir une barbe gratuite dans Roblox. Oui, une barbe gratuite dans Roblox, comme vous l'avez bien entendu. Donc oui, c'est un peu bizarre comme objet gratuit. Mais apparemment, il y a des accessoires comme des moustaches et des barbes en ce moment dans Roblox. Donc je vais vous montrer quand même comment l'avoir. Mais donc avant qu'on passe à cette vidéo, je vais demander à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et donc là, on peut continuer la vidéo. Alors tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rentrer dans le jeu de réponse d'urgence dans Roblox. Donc les liens, c'est juste dans la description si vous voulez rentrer. Et donc en fait, déjà pour commencer, on va faire spawner notre véhicule. Donc je sais pas trop, c'est la première fois que je joue à ce jeu. Et en fait, voilà, je vais juste prendre ça puisque c'est gratuit. Et je vais l'acheter. Donc je sais même pas où est-ce que c'est, mais je pense que c'est ça, hein. Oui, ça c'est le mien. Et déjà, je vais cliquer sur cette map et on va partir quelque part ici. Donc vous pouvez zoomer ici et ça doit être quelque part ici. Ça va être un salon de coiffure qui va être quelque part vers... alors je sais pas comment on fait pour mettre le truc, mais je pense qu'on peut... Ah voilà, il faut juste faire clic droit. Donc je sais pas comment ça marche sur les appareils mobiles, mais voilà, juste faites un clic droit. Donc je vais partir vers là-bas, ce qui va être là-bas. Et en fait, je vais vous expliquer en même temps. Donc dans ce salon de coiffure, il y aura un coiffeur. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va vous demander de trouver 12 rasoirs autour de la map. Et en fait, le truc qui est très ridicule, et en fait, ça va rendre difficile les choses, c'est que chaque fois, pour chaque joueur, ça va être aléatoire autour de la map. Donc, ce que je vous montrerai, ça sera pas la même chose pour vous. Ça va prendre énormément de temps, je peux déjà l'imaginer. Je dirais à peu près 50 minutes pour l'obtenir. Peut-être un peu moins si vous avez beaucoup de chance et vous les trouvez. Mais en fait, la map elle est assez grande, donc ça ne sera pas très facile. Mais voilà, je vous souhaite aussi une bonne chance pour trouver tout ça. Et alors je vais déjà arriver là-bas. Donc là je vais accélérer la vidéo et je vais arriver là-bas, même si je conduis mal, qu'on peut voir. Alors là, qu'on peut voir, on est presque arrivé. Donc voici notre point de destination. Et en fait, ça doit être quelque part ici, donc je vais juste le chercher. Et en fait, j'imagine que ça sera quelque part vers là-bas, donc je vais juste tourner comme ça. Je me rappelle pas exactement où c'est, mais je dirais vers là-bas, donc je vais regarder ici. Ah oui, donc le voici. Voici le salon de coiffeur. On va sortir de notre voiture. Je sais pas si on reçoit une amende dans ce jeu pour mal garer notre véhicule, parce que on dirait le jeu il est assez réaliste, donc c'est assez cool, mais on n'est pas là pour ça. Donc je vais rentrer à l'intérieur et là vous pouvez voir il y a le coiffeur, donc on peut parler avec lui et tout. On va cliquer sur OK. Et donc oui, en fait il y a 10 rasoirs à trouver. Je me suis trompé, donc excusez-moi, il y en a 10 à trouver. Et pour chaque rasoir, si je me trompe pas, voilà, il va vous donner un indice où est-ce que c'est. Donc voilà, je vais cliquer et vous pouvez apparemment avoir des indices tous les 20 minutes. Donc au moins c'est bien. On va cliquer ici et ça nous montrera où est-ce que c'est, où est-ce que ça peut être à peu près. Donc voilà, je vais cliquer sur le X. Je vais aller chercher ce rasoir. Je vais juste accélérer la vidéo et dès que je retrouve le rasoir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, pour que comme ça vous savez au moins à quoi il ressemble. Et d'ailleurs aussi, je vais vous montrer en même temps, le temps que je suis là, comment remettre de l'essence dans votre voiture, puisque vous allez en avoir besoin beaucoup pour conduire à droite à gauche, et sans voiture ça sera pas facile. Donc évidemment c'est la meilleure option que vous pouvez faire. Donc je vais juste cliquer ici et voilà, je vais cliquer là et je sais pas trop comment ça marche. Je pense qu'il faut juste cliquer comme ça jusqu'à que vous mettez par exemple pour 11$. Donc voilà, je vais acheter et là je pense que tout va bien. Donc je peux juste continuer à chercher le rasoir. Ok, donc le voici, j'ai eu de la chance, il est juste ici. Et alors le voici, voici à quoi il ressemble. Donc si vous cliquez sur E, ça va vous donner votre rasoir. Donc là il reste encore 9 rasoirs à trouver. Et en fait, de ce que j'ai compris, ça va me prendre longtemps pour faire ce truc. Donc en fait, je vais pas vous montrer comment je cherche tous ces 10 rasoirs. Donc en fait voilà, je vous ai juste expliqué comment vous pouvez l'obtenir. Donc après, dès que vous trouvez vos 10 rasoirs, il va directement vous donner le badge, ce qui va vous donner votre barbe. Donc c'est ce qu'il faut
faut faire en gros pour obtenir la barbe. Mais voilà, je vais pas le faire dans cette vidéo là puisque ça va me prendre longtemps. Mais si vous voulez la voir, alors bon chance. Mais donc voilà, je vais juste finir la vidéo ici. Et donc j'espère que je vous ai bien expliqué. J'ai au moins expliqué comment vous pouvez l'obtenir avec tout ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs je pense qu'aussi si vous cliquez sur le deuxième icône ici en haut à droite, le Razor Hunt, il va aussi vous donner le bouton indice tous les 20 minutes. Donc je pense que c'est là où vous cliquez pour recevoir des indices. Et donc voilà, c'était tout ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de lâcher un like, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et aussi n'hésitez pas de vous rejoindre à mon serveur de Discord qui sera dans les commentaires épinglés. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. À la prochaine.